Comme il y a les soldes en France en ce moment, je ne vais pas rater cette occasion pour vous en parler. Aujourd'hui, dans Sur le bout de la langue, je vais vous expliquer ce qu'est une remise en chinois. Vous allez voir, ce n'est pas une affaire facile. Alors, les soldes se disent en chinois ta. Zhe, ta est un verbe qui peut dire beaucoup de choses, par exemple taper, casser, remuer ou même faire. Zhe signifie plier ou perdre en tant que verbe. Mais ce caractère peut également signifier discount, remise. Disons que ta zhe correspond plus à l'expression française faire une remise. Intéressons-nous tout de suite aux choses concrètes. Si je vous dis ta pa zhe, on insère le chiffre 8 au milieu. À votre avis, on vous fait combien de remises? Logiquement, vous penserez 8%. Et non, c'est pas du tout ça. La réponse est de 20% de remise. Là, vous êtes perdu. Je comprends. Vous me direz, ils sont fous les Chinois. Il y a le chiffre 8. D'où on parle de 20%. Mes chers amis français, vous êtes loin d'être irréprochables au niveau des chiffres. Je me souviens encore, lorsque j'apprenais le français au début, je me disais tout le temps, ils sont fous les Français. Pourquoi pour dire le chiffre 9-0, ils disent 3 chiffres, 4, 20 et 10. Ça n'a ni queue ni tête. Ah, puis j'ai compris votre logique. Fallait faire un peu de maths. 4 fois 20, c'est 80. Puis plus 10, ça fait 90. Voilà. Maintenant, je vous demande d'essayer une autre logique pour comprendre cette histoire de remise. Imaginons un gâteau divisé en 10 parts. Si l'on casse 8 parts, il restera 2 parts. Ta pa zhe, c'est dans cette logique-là. Casser 8 parts, il vous reste 20% du gâteau comme une remise. Avant de vous lancer le défi, je vous fais un petit cours pour dire les 10 chiffres en chinois avec une seule main. Regardez bien et c'est parti. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10. Les trois gestes les plus difficiles à comprendre avec la main, c'est le numéro 6 et le numéro 8 et 9. Car on imite la forme de leur caractère chinois. Allez, maintenant un petit défi. Si je vous dis ta qiu zhe, c'est combien de remises? Eh oui, 10% de remise. Et ta si zhe, c'est combien de remises? Eh oui, 60% de remise. Je pense que vous avez compris maintenant le principe. Voilà, comprendre le monde chinois, c'est parfois oublier sa propre logique et essayer d'adopter une autre façon de compter, une autre méthode, réfléchir. Voilà, c'est tout pour les soldes. J'espère que ça vous a bien amusé. Un petit devoir pour la route. Si je vous dis ta qi wu zhe, c'est combien de remises alors? Écrivez votre réponse dans les commentaires.